Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Casanave, j'ai 25 ans et je joue demi-mêlée. Wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. En parallèle du rugby, j'entraîne les jeunes là à Nice, j'entraînais les cadets nationaux et j'intervenais sur l'académie. J'ai commencé le rugby à Cannes-Mandelieu, donc en moins de 7, puis après ma mère a dû déménager vers Toulon, donc je suis allé au RCT, donc j'étais en moins de 9 au RCT jusqu'en espoir. Pendant que j'étais en espoir, j'avais une double licence, un tutorat avec la Seyne-sur-Mer où j'ai eu la chance d'évoluer en Fédéral Une, et en 2017 j'ai signé à Nice, donc ça faisait 4 ans que je jouais à Nice là. Mon plus beau souvenir rugbystique, assez compliqué à dire, il y en a tellement en vrai que c'est difficile d'en retenir qu'un. À choisir, je dirais soit mes voyages que j'ai eu grâce au rugby, que j'ai eu la chance de partir à Brisbane et à l'île Maurice à l'époque où je jouais encore à Toulon, ou alors la montée de Fédéral 2 à Fédéral 1 avec Nice. C'était un moment assez sympa à vivre, on va dire. Alors mes autres passions, l'entraînement, comme je vous disais, j'étais éducateur des cadets, donc l'entraînement j'aime beaucoup. J'aime le sport en général, j'ai fait du judo pendant près de 15 ans, donc le judo forcément, mais toute autre forme de sport. J'aime beaucoup le foot aussi, voilà. Et après un petit peu les jeux vidéo avec les copains aussi. Pourquoi l'OMR? Tout simplement, quand j'ai eu Philippe au téléphone et qu'il m'a fait part du projet, des ambitions du club, ben, j'ai tout de suite accroché. Puis après, j'ai eu l'occasion de faire un week-end sur l'île, donc pour rencontrer les différentes personnes qui y travaillaient. Et ça s'est vraiment très bien passé. En plus de ça, j'ai pas mal de collègues avec qui j'ai joué à Nice notamment, qui sont retournés dans le Nord et qui m'ont fait des bons échos sur le club, notamment sur les joueurs et sur les personnes qui y travaillent en plus. Donc tous les feux étaient au vert pour venir à l'Olympique Marquois. Donc j'ai signé de suite, et en plus de ça, j'ai l'opportunité de travailler avec l'équipe Krabos l'année prochaine. Donc il y a moyen de se régaler.